Seulement 24 heures après le président Alassane Ouattara, c'est la première dame Dominique Ouattara qui est l'hôte de marque du Palais Royal de Bruxelles. Elle répond à l'invitation de la reine Mathilde de Belgique. Une rencontre cordiale, immortalisée par une photo officielle, séquence après laquelle les deux personnalités se retirent pour un entretien sur des questions d'intérêt commun, dont la substance sera livrée à l'issue de l'entretien par la première dame Dominique Ouattara. On a eu un entretien extrêmement agréable. La reine Mathilde, que j'avais déjà rencontrée l'année dernière, nous avons eu beaucoup de plaisir à nous revoir. Nous avons parlé de nos points d'intérêt, nos centres d'intérêt respectifs, et nous avons vu que nous avons beaucoup de points communs, à savoir la protection des enfants, le droit des enfants. Nous avons également parlé beaucoup de l'hôpital, mère-enfant de Bingerville. Et également, nous avons parlé de la lutte contre le travail des enfants. Dans le prolongement de cette rencontre, l'agenda de la première dame Dominique Ouattara prévoit une visite de l'hôpital de la reine Fabiola, un hôpital universitaire destiné à la médecine des enfants.